Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours sur les cours d'arabe, bien sûr, on va voir les pronoms personnels en langue arabe. Donc les pronoms personnels pour la langue arabe sont un petit peu exotiques. Bon, bien sûr, forcément ça va être exotique pour vous. Pourquoi? Parce que on utilise un pronom personnel si on a deux personnes, ce qui n'existe pas en langue française. On a en langue française juste le singulier et le pluriel. Alors en langue arabe, on a ce qu'on appelle al-muthanna, c'est-à-dire les pour deux personnes. Alors, commençons. Donc, si vous avez un homme ou un garçon, vous avez ici deux hommes, vous avez ici trois hommes ou plus. Vous avez ici une femme. Vous avez ici, donc d'ailleurs, deux femmes ou deux filles. Vous avez ici trois femmes ou plus. Vous dites, pour l'homme, vous dites il. Ça, c'est en langue française. Pour eux, vous dites il. Eh bien, l'équivalent de il en langue arabe, c'est hua. Hua. Vous dites par exemple, hua ya'kulu. Bon, ça prétend déjà que vous avez vu la révision, donc je vous ai demandé d'essayer, avant de voir la suite des cours, d'essayer d'abord d'apprendre par cœur les mots qu'on a vus, de les sentir bien sûr, etc., de les assimiler avant de voir ça. Donc on peut dire par exemple, huayakulu, c'est-à-dire il mange. Alors, il en langue arabe, c'est hom. Hom. Comme ça. Si vous avez deux personnes, vous dites Houma. Houma. Bon, il n'y a pas d'équivalent de Houma en langue française, bien sûr. Il n'y a pas de traduction parce que ça n'existe tout simplement pas. Pour la femme, ou si vous avez une fille, vous dites Ya. Pour les filles encore, pour les femmes, pour les filles, ce que vous voulez, vous utilisez, vous pouvez aussi utiliser Ouma. Donc ce Ouma, c'est comme si vous avez, par exemple, une femme, vous dites Hiya ta'koulou, vous dites Hiya ta'koulou. Si vous prenez les deux, eh bien, il faut dire Houma ta'koulani. Houma ta'koulani. Donc, hou, donc ta'koulou devant Houma, ça devient ta'koulani, ça se transforme en ta'koulani. Donc, les deux filles. Alors, pour l'autre, c'est-à-dire si vous avez plus de deux femmes, eh bien vous allez dire, c'est-à-dire l'équivalent de elle, vous allez dire runna. S'il vous plaît, on a ici achetta, donc runna. Donc ça c'est votre ligne, bien entendu.
Donc ça s'écrit comme ça. Huna, c'est pas Huna, mais Huna. Donc il parle de lui. Il va dire Ana. Si vous avez deux, donc dans ce cas particulier, si vous avez deux, eh bien, ils vont dire Nahnu. Donc, le cas particulier que je veux dire, donc ça c'est Ana, voilà. Ana. Le cas particulier dont je parle, c'est celui-là, c'est-à-dire que pour le pluriel, si vous avez trois ou plus, eh bien, ils vont toujours dire nahnu. Pour les femmes, eh bien, elle va dire Anna, elle va dire Nahnu, et elle va dire Nahnu. Donc ici, c'est comme vous, c'est comme en langue française. Anna, c'est-à-dire je. Nahnu, c'est-à-dire nous. Par exemple, quelqu'un qui marche, il va dire Ana amshi en arabe. Exemple, Ana amshi amshi. On va dire aussi Nahnu. Namshi. Donc ici, que ce soit pour les filles, pour les femmes, comme pour les hommes. Et pour les filles, comme pour les garçons, bien entendu. Maintenant, on va voir l'équivalent de tu et compagnie. Tu, vous, etc. Donc, vous avez un homme. Vous avez deux. Vous avez trois. Trois et quatre, etc. Alors, bon, et trois femmes, etc. Eh bien, si vous avez un seul homme, vous lui dites un temps. Un temps. Un temps. Vous avez deux, vous dites Antuma. Ici, vous avez trois ou plus, vous dites Antum. Vous avez une seule fille, vous dites Anti. Anti.
Vous avez deux, vous dites. Antuma. Vous avez plus, vous dites. En tunna. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Alors, par exemple, on peut dire anta ta'kulu. Etc. Anti ta'kulina. Donc c'est tout pour les pronoms personnels. Donc on va donner un petit récapitulatif pour cela. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc l'essentiel c'est d'assimiler cela. Au début ça, vraiment, ça peut apparaître bizarre, mais après vous pouvez l'assimiler. Donc on a huwa. Vous avez huwa. Vous voulez pour deux personnes. Vous dites huma. Donc vous remplacez wa par ma si vous voulez deux personnes. Pour si vous dites tu. Vous dites enta. Pour deux personnes, voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une certaine logique, bien sûr. Vous dites N tout ma A. Vous ajoutez ici ma et ici aussi ma. Donc ici, si vous avez deux personnes. Vous voyez, vous avez huma pour le pluriel. Si vous avez deux personnes ou plus, vous dites hum. Donc, vous prenez le huma, au lieu de faire ma, vous dites hum. De même pour l'autre, pour tu et vous, pour deux personnes, vous prenez antuma, vous prenez ma. Et vous dites un tome. Donc ici ma s'est transformé en m. Ici ma s'est transformé en m. Donc huwa, huma, hum, anta, antuma, antum. Huwa, donc ça c'est il. Huma, il n'a pas d'équivalent. Hum, c'est il. Anta, c'est tu. Antuma, pas d'équivalent. Antum, vous. Bon, l'équivalent, bien sûr, bon, c'est vous. Ça reste vous parce qu'en langue française, pour deux personnes, vous dites vous. Donc, huma, pour deux personnes, vous dites il, par exemple. Donc, je veux dire qu'on a en effet un équivalent en langue française, il. Alors. Si vous voulez, par exemple, donc on a tu, il, je. Vous dites Anna. Vous dites Anna. Pour deux personnes, vous dites Nahnu. Pour plus, vous dites Nahnu. Donc Anna, c'est je. Nahnu, c'est nous. Nahnu, c'est nous. Ne voyez-vous pas que nous ressemble à nahnu? Nous, nahnu, nous, nahnu, nous, nahnu, nous, nahnu. Il y a une ressemblance en effet avec nous et nahnu. Donc je et nous, donc il, tu, je, etc. Donc maintenant pour les femmes,
pour les filles, etc. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire la chose suivante. On a par exemple pour... Bon, je vais voir d'abord le temps. Il me reste 2 minutes 30. Donc j'ai IA. Huma. Huma comme ça. Donc Hu. Ma. Huna. Je vais vous expliquer après. On a IA, Huma, Huna. J'ai Anna, j'ai Nahnu, j'ai Nahnu. On a Anti, donc Anna, Nahnu, Nahnu, Anti, Antuma. Antuma et Antuna. Alors ici, ma s'est transformé en na. Ici, ma s'est transformé en na. Ici, vous avez la même chose pour les hommes, etc. Et ici, on a tout simplement ya. Ya s'est transformé en ma. Après ma, s'est transformé en na. Donc, hiya, huma, hunna, hiya, c'est je, ou plutôt elle. Huma et hunna, les deux, c'est elle avec S. Ana, c'est je. Nahnu, nahnu, c'est nous, toujours. Anti, c'est-à-dire tu. Antuma, antuna, c'est-à-dire vous. J'espère que c'est assez clair. Je l'espère bien.